Ces trois dernières années ont été riches de travaux et de réflexions sur la protection de l'enfance, qui ont abouti entre autres à la loi du 14 mars 2016. Cette formation permettra d'abord de répondre à la question « Mais pourquoi une nouvelle réforme de la protection de l'enfance ?» Un détour par la loi du 5 mars 2007 est d'abord réalisé pour répondre à cette question. Étudier le texte de 2016 en miroir de la loi de 2007 permet de comprendre comment les législateurs naviguent entre respect de la vie familiale et protection de l'enfant, préventif et curatif, placement et maintien à domicile, logique de place et logique de parcours. La loi du 14 mars 2016 essaye d'apporter des réponses concrètes aux enjeux auxquels sont confrontés les professionnels de la protection de l'enfance. Ces enjeux sont d'abord éducatifs, sur la place de la famille, de l'enfant et de son environnement, sur la question de l'autorité parentale, son exercice, ses motifs de retrait et le statut renouvelé de pupille de l'État, sur les mineurs non accompagnés, mais également sur la nécessité de lever des tabous autour des notions de maltraitance et d'inceste. La loi essaye également de relever des enjeux institutionnels, notamment de renouveler la gouvernance, de sortir de la judiciarisation croissante des mesures, de diversifier les prises en charge, de mieux repérer et évaluer les situations de danger, ainsi que d'éviter les ruptures de parcours, notamment à 18 ans. L'ensemble de ces sujets sont traités toujours avec un regard critique étayé, argumenté, pour comprendre le décalage entre la loi et la réalité sur les territoires. Les plus de la formation sont multiples. Des retours sont faits sur l'évolution de politiques connexes comme la prévention spécialisée. Elle est basée sur un décryptage alliant toujours analyse technique et politique. Elle dispose d'un regard croisé sur les autres secteurs, comme celui du handicap ou de l'insertion. Et elle bénéficie d'illustrations et d'échanges entre les territoires et les pratiques de chacun. Cette formation s'adresse aux travailleurs sociaux, aux chefs de service, aux directeurs d'établissement, aux administrateurs et finalement à toutes les personnes agissant dans la protection de l'enfance qui souhaitent mieux comprendre les enjeux et les évolutions en cours. Une session de formation a lieu le 29 mai 2018 à Lyon. Mais il est également possible de la décliner dans vos associations, en intra, où vous voulez, quand vous voulez. Pour vous inscrire ou pour tout autre renseignement concernant la formation, écrivez à formation@uriops-ara.fr ou téléphonez au 04 72 84 78 16.